Dans un univers en constante expansion, une galaxie perdue, mais pas trop, contient une planète de moyenne circonférence. Sur cette planète qu'on appelle Terre, un chômeur brésilien avait décidé 2 mois plus tôt de se faire cuire un œuf. La chaleur créa un microclimat dans la pièce, ce qui fit tomber un orage en France sur la maison de l'étrange Popcorn, notre protagoniste, au moment précis où il cliqua sur la touche entrée de son ordinateur. Ce terrible effet papillon l'expédia dans un univers parallèle et informatique où les extraits vidéo du concours de Studio Vrac avaient pris vie. Notre ami chauve ne se rendit pas compte de ce qu'il venait de lui arriver. Il se croyait simplement chez lui, en entretien avec les youtubeurs de Studio Vrac. Et c'est ainsi qu'un simple concours sur internet se transforma en la pire collaboration YouTube de toute sa vie. En voici l'histoire. Alors les gars, l'idée c'est que je vous ai préparé un quiz sur la cuisine. On s'en fout de ça, ça a jamais empêché personne de réussir. Hein. Bref, on s'est compris, mais la particularité de ce quiz de cuisine, c'est que dès qu'il y en a un de vous deux qui se trompe, il devra manger une spécialité culinaire que j'ai ramenée. Donc bien sûr, un truc un peu étrange, dégueu. Hein ? Alors ? Je crois qu'après ça, on peut mourir tranquille, hein. Enfin le plus tard possible, mais... On peut. Ok, alors les gars, dans l'idée, ça sera plus des insectes, des œufs de 100 ans. Ça, c'est la cuisine que j'aime. Du kazumarzu ou de l'huile de foie de morue. C'est quoi les petits trucs blancs? C'est des vers. Oui, alors ça, c'est le kazumarzu. C'est le fromage affiné avec les asticots. Ah non, ça c'est pas drôle. Oh, je crois que je vais vomir. Bon travail. Non, mais les gars. Attends, c'est une blague? Non. Oui, c'est une blague. Non. Attends, c'est une super blague. Ah, c'est dégueulasse. Non, mais ce que tu viens de... Non, ce que tu viens de manger, c'est de l'huile de foie de morue. Ah, bah oui, très bon. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Le gras, c'est la vie. J'arrête de vous saouler. Bon, j'ai pas très bien compris ton histoire, mais pour te consoler, buvons ce breuvage. Bon, allez, ça, je vais pas dire non. J'ai pissé dedans. Ça, c'est pas normal. Mais t'es dégueulasse, merde! Et bon appétit, bien sûr. Ah, si, c'est rigolo. Non. Oh là là, la chouchotte, hein, c'est quoi qui te choque là? Attends, je vais pisser dans ta bouche, ça va t'aider à comprendre. Je trouve pas ça drôle. Je vous lis les quiz, on allume la caméra, et après vous rentrez chez vous parce que j'en ai marre. Eh ben le spectacle est fini, je suis crevé. Mais qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Tu as regardé la dernière vidéo de Superflame et de Doc Seven? Non mais attends, tu te moques de moi, parce que vous êtes venu là juste pour me faire perdre mon temps. Je vous emmerde. Génial. Et je rentre à ma maison. Ok. Bon. Au moins, aujourd'hui, j'aurai appris un truc. Bon appétit. Studio Vrac en invité, plus jamais. C'est incroyable, ça. Oh, merde. J'espère que l'épisode t'aura plu, parce qu'il faut savoir que ça m'a pris une semaine de travail. C'était donc la vidéo au concours de Studio Vrac, qui avait à peu près 27 minutes d'extrait vidéo et de rush que j'ai dû trier et que j'ai dû classer pour à peu près créer une histoire. Donc je t'encourage à liker et à partager la vidéo comme c'est pour un concours. Et puis voilà, je te dis à bientôt. La grosse bise où tu voudras. Ciao!